Mais sur quoi ma directrice? D'accord, elle était en pause ma directrice, c'est pour ça qu'elle... Hop. Allez. 10 secondes. Même pas. Bing, allez, j'ai ma santé. Je peux créer mon infirmerie. Voilà. Il me faut des lits médicalisés. Voilà, et j'engage des médecins. Ah, je peux engager une infirmière. Allez donc. On n'est pas sauvé. Deux médecins, d'accord. Il me faut deux médecins. Donc il me faut... Ah oui, puis il me faut un psychologue dans son bureau. Alors ça me saoule un peu. Bah écoutez. Pièce. Un bureau. Alors souvent, alors ce que j'ai fait une fois et ça avait bien marché, c'était ça. Est-ce que ça marche toujours? C'est je crée, voilà, mon petit bureau dans l'infirmerie. Et donc il me faut en objet, il me faut le petit bureau, le classeur et la chaise. Voilà. Donc j'ai 600. Je vais vendre un petit peu de bois pour pouvoir engager le... Non, j'ai pas encore assez de... Trop dispersé, ok. Ouais, bah j'ai la mission de prisonnier qui arrive au bon moment. Comme ça, je peux engager... Alors, plus qu'un médecin, hein. Je vais en engager une dizaine, voilà. Comme ça. Et je crois que j'ai... Non, il me manque quelque chose pour le santé et bien-être. Le psychologue, évidemment. Il est où? Il faut que je le débloque, évidemment. Il faut que je le débloque. Donc il faut que... Hop, 500, c'est parti. Elle bosse sur quoi? Ah d'accord, elle bosse sur la micro-gestion, là, ma directrice actuellement. Alors... Non, j'ai pas assez, mais sanctions, non. Les sanctions fixes, ouais. Ah oui, il y a ça aussi qu'il va falloir que je fasse. Et ça va être important. Ça va être les cellules d'isolement. Ah oui, alors je veux les chiens, ça je les veux. Les renseignements, pourquoi pas. Éducation, ça pourra attendre. Bon, allez, je vais débloquer les emprunts bancaires quand même. Bon. Et je vais engager des agents d'entretien intérieur, des concierges, histoire que la prison soit un peu propre quand même. Ok, ensuite. Ensuite, c'est toujours le problème, c'est que dès que je veux faire quelque chose, ça me bouffe tout mon pognon. Et j'ai un problème avec mon électricité. C'est où que ça s'est pas fait? C'est là. Hop. Sinon, tout le reste est alimenté. Ça comme ça. Et
ça saute, je le retravaillerai plus tard. Ça faut que je le... Ok. Ici, il me manque d'électricité. Bon. Ouais, les repas, à mon avis, ça suit pas. Va falloir que je crée plus de... Va falloir que j'engage plus de cuisiniers, que je mette plus de cuisinières, tout ça. Parce que là, ça commence à devenir vraiment chaud. D'accord, les frigos, pas assez non plus. Les éviers, ça coûte que 20. Je peux les mettre. Bon, ça commence vraiment à prendre forme tout ça. Ça commence vraiment à prendre forme. Donc, attendez, je regarde mes subventions, où j'en suis. Alors, j'ai les rapports d'incident, tout ça. Alors, attendez, je suis en sommeil. Moi, ce que je voudrais, c'est... Bing, allez. Fouille générale. Ça va bien foutre la merde. Mais au moins, je récupère tout ce qu'il faut. Le psycho. Bing. Tiens. Pourquoi je l'ai foutu là? Il va aller là-bas. Bon. Il est bloqué à la porte, c'est ça? Alors, pour le moment, cette porte-là... Ouais, alors, évidemment, hop... Non, cette porte-là... Porte... voilà, verrou ouvert. Comme ça... Ils peuvent au moins passer pour l'infirmerie, parce que sinon, c'est la galère. Il manque un endroit... C'est bon, tout a été fouillé. Eh, c'est bon, j'ai plus de subventions en cours. Ouais, c'est bon, ça a dû être accepté, je sais pas quoi, je sais plus pourquoi. Mais... tour de garde. Tiens, c'est nouveau ça. Les tours de garde et les snipers. D'accord. Bon, tes armes, j'ai les tactiques. Et pour le moment, j'ai pas le budget pour ça, de toute façon. Voilà, alors. Mais le budget, les budgets, ça. Évaluation de la prison. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Subvention. Alors qu'est-ce qu'il me faut pour ça? Alors, entretien, contremaître. Il manquerait juste un jardinier pour ça. Bing, allez. Personnel, jardinier. Bienvenue à la maison. Hop. Chef de la sécurité, 10 gardiens. Déverrouiller les patrouilles. Et affecter 3 gardiens à une patrouille, hop, on prend. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Apparemment, j'ai un truc sur les... Pour les cellules d'isolement, ça c'est prévu que je le fasse. Le bien-être du personnel aussi, ouais. Alors, nettoyage des outils, voilà. Alors, c'est ça que j'aurais dû... mettre avant de lancer ma... Mon... Comment ?
Aïe, oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, je viens de me cogner. C'est ça que j'aurais dû mettre avant de lancer ma fouille générale, mais je vais relancer une fouille générale dans tous les cas. Donc il me manque. Oui, les patrouilles. Les patrouilles, donc déploiement, patrouille. C'est bon, c'était validé. Subvention suivante. Eh, ça remonte bien dans les fonds, hein. Alors, on a l'investissement à court terme. Je vais prendre ça, je pense. Faut juste que j'attende 71 heures. Donc je prends. Enfin, 71 heures dans le jeu, hein. Pas réel. Bon, avec 63 000, je vais pouvoir faire pas mal de choses que je voulais faire. Donc, première chose que je vais faire, c'est une seconde cellule. Alors, ah, ça m'embête. Parce que donc ça va être une cellule. C'est ça qu'il faut que je fasse, un dortoir? Bon, ok. Alors, on va créer. Donc, en béton. Non, pas là. Donc, créer, hop. Donc, pour le moment, des 21 x 21, je les agrandirai au besoin. Voilà, ouais, de toute façon, pour le moment. Voilà. En fait, je vais créer un dortoir pour les. Je vais créer les trois tout de suite. Donc, je vais créer un dortoir pour les basses sécurités, un dortoir pour les moyennes sécurités et un dortoir pour les hautes sécurités. Comme ça, je serai tranquille. Voilà. Comme ça. Je vais déjà avoir ça comme ça. Alors, ensuite, il va me falloir. C'est les. Alors, où est-ce que je les fais? Est-ce que je les fais là? En les faisant passer derrière les douches. Non, parce que là, je prévois de faire une autre pièce. Alors, je vais tout de suite la faire. Ici, il y aura une autre pièce. Ouais, je vais faire comme ça. Et donc avec une entrée ici. Voilà. Ici, et donc derrière ici je vais commencer à créer. Le bâtiment pour les isolements. Donc pour le moment je vais faire du 30 x 30. Hop. Et ici ce sera donc l'isolement qui sera mis ici. Voilà. Ça fait déjà une bonne zone à construire. Et je sais pas combien j'ai d'ouvriers. Ouais, j'ai que 8 ouvriers. Je vais créer. Enfin, je vais engager des ouvriers pour ce boulot. Voilà, parce que sinon demain j'y suis encore.
Et je vais lancer une sauvegarde. Fichier. Ah, est-ce que c'était la sauvegarde qui m'a pas fait planter tout à l'heure? A voir, sauvegarder. Écoutez, j'ai mon frappe qui tourne toujours. Et je vais voir sur le... Bah, de toute façon, je peux voir dans XSplit, je suis con. Non, dans XSplit, ça tourne toujours. Donc, c'est bon. Donc on va créer nos fameux dortoirs. Donc ça c'est une nouvelle pièce, hein. Je ne connaissais pas, mais apparemment donc les dortoirs. On va voir ce qu'il nous faut. Donc il nous faut des toilettes, lits superposés. Ah donc on peut utiliser les lits superposés ici. Ok, ben écoutez, c'est parti. Donc ici. Donc on va avoir, donc, regardez, il me faut juste, donc il faut juste des toilettes et des lits superposés. Bah c'est nickel, hop, objet, toilettes, on va les mettre à l'entrée, pour histoire que ça pue bien. Hop. Par contre c'est chiant ce truc, voilà. Hop. Et hop. Donc on va avoir les lits superposés, donc c'est pas compliqué. Ah, j'ai pas vu combien ça va coûter. Ouais. Bon, je vais pouvoir pour le moment en mettre que 4. Ok, faut que je réaccélère x10. Mais j'ai de quoi vendre. De lit. Voilà. Voilà, voilà. Bon, pour le moment, on va faire ça. Et on va mettre, donc... J'ai déjà plus de pognon. Je crois pas. Donc, il me manque juste une porte de prison et évidemment un détecteur de métaux. Heureusement, dans quelques secondes, j'ai des prisonniers qui arrivent, donc pour 10 000 dollars de prisonniers. Peut-être 5, 4, 3, 2, 1, hop. C'est bon. Tac. Voilà. Une porte de prison. Hop. Deux portes de prison. Trois portes de prison. Et il me manque juste un petit peu d'eau pour alimenter les toilettes. De... Pour le moment, je vais le laisser ouvert. Ok, donc là pour le moment, voilà, et maintenant j'ai 38 prisonniers qui peuvent être accueillis dans cette pièce sans problème. Ok, ok. Donc bon, pour le moment, on va faire, on va vraiment se baser là-dessus. Enfin, on va, pour le moment, en fait, je vais pas encore les tous, enfin, séparer les trois catégories.
Et voilà, ça va être des dortoirs en fait. Bon, ça va. Les ouvriers, ils sont confiants, hein. Ils sont là en train de bosser en plein milieu des évasion. Ah oui, bien sûr. Quel con. Non mais en plus je le fais toujours. C'est un truc que je fais toujours. Là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est de ma faute. Voilà. Un double sas pour éviter les évasions. Oh le boulet. Elle a couru, elle a sprinté. En plus on l'a vu sprinter à l'écran. Faut que je pense, c'est à la VOD, c'est à le mettre en accéléré ça. Tiens d'ailleurs, je voulais vérifier pour la VOD. Oui, je suis con. Bien sûr que ça split, vu que c'est avec Fraps que j'enregistre et pas avec XSplit. Ok, ok. Alors oui, cette salle. Il y avait cette salle que j'avais en préparation. Et que je n'ai pas terminée. Oula, ok les mecs. Vous êtes pas intelligents les mecs. Quel moment vous vous êtes enfermé vous-même, enfin c'est idiot. Voilà. Ah oui, c'est tout de suite mieux. J'ai envie de dire, c'est idiot ce que vous faites. Alors, hop, puis on va comme ça et on va dire ici. Hop. Bing. Et donc ici, bah ça va être quoi? Bah ça va être une salle très très, comment dire, très charmante. La morgue, voilà. Aïe, parce que si on a des décès... Voilà, hop, table de dissection. C'est que du bonheur. Ouh, vous avez foutu un sacré boxon là, hein. Bon, enfin bref. Alors, justement, déploiement, moi je veux que dans le dortoir, 1, 2, 3, il y ait toujours 3 gardiens. Et qu'il y ait toujours 3 gardiens dans chaque dortoir. Et dans la cellule d'attente. Voilà. Je veux qu'il y ait toujours un gardien là-dedans. Ouais, alors je suis désolé mais 3 gardiens dans la douche aussi, 3 gardiens à la cantine, 3 gardiens dans la cour. Voilà. Déjà là on est pas mal. Puis on va recruter quelques gardiens supplémentaires histoire d'assurer. D'accord, j'ai plus de pognon. Mais histoire d'assurer d'assurer le tout. Bah ça va, ça va, ça s'entasse mais ça va. J'ai combien de gardiens? 35. Bon, je pense que ça devrait aller pour le moment. Et dans 4 heures j'ai des nouveaux prisonniers qui arrivent. Pour le moment ça va. Le risque d'émeute est relativement bas. Donc ça va. Et dès que... Voilà, ok, j'ai 1000 là. Je vais mettre 2 lits pour le moment. Hop, ça fait 4 prisonniers. Et alors, qu'est-ce que j'ai actuellement au niveau de mes prisonniers, justement? J'ai 7 risques élevés. Et 28 risques faibles.
C'est bête, j'aurais dû mettre celle-là. On va faire ça comme ça. Ben, je vais vendre le bois, à mon avis, j'ai du bois qui a dû revenir dans l'entrepôt. Ouais, très peu. Faut juste que je mette... combien? 4 lits superposés. Dans la cellule tout à droite. Voilà, c'est bon. Donc, lits superposés, si j'en mets... Voilà. Et ici, donc, déploiement, haute sécurité, ici. Les moyens de sécurité, ici. Et les basses sécurités, ici. Et vous en faites pas, je vais rajouter les lits. Comme ça. Objet. Lits superposés. Il y a les basses sécurités qui vont gueuler un petit peu, mais sinon ça va le faire. Et c'est moi où j'ai plus d'électricité. J'ai plus d'électricité. Ok, très bien. Où j'en suis niveau subvention? Ok, bon. Je vais lancer une fouille générale. Tant qu'en plus elles sont pas nombreuses. Ok, achèvement de subvention, bah, c'est justement la fouille qui a fait que j'avais suffisamment et donc je vais rajouter des lits supplémentaires. Donc c'est génial parce que ça va faire des prisons relativement compactes. Très proches des prisons américaines que l'on peut trouver en vrai. Les mecs qui ramènent des vagues de lits, tout va bien quoi. Ouais, et en fait c'est surtout des condensateurs qu'il aurait fallu que j'achète. Quel idiot, quel idiot. L'investissement à long terme, bah c'est bon, je peux le faire. Non, c'est pas là. Mais il suffit que je reprenne une subvention. Qu'est-ce que j'ai en subvention là qui... Oui, alors... Bah justement, je vais prendre le soli... Ouais, le solitaire, il est un peu bon. Hein. Tiens, hop, répression de... Bah c'est bon. Voilà, comme ça. Bien-être du personnel. Hop, l'investissement à long terme. Voilà, comme ça, j'ai les deux investissements qui demandent juste d'attendre, qui sont en cours. Et je vais commencer à... Ouais, donc là, la priorité, je l'ai dit, c'est l'électricité. L'électricité. Hop, hop, voilà. Activer. Bing, voilà. On y voit déjà plus clair. Disons, on s'en approche quoi. Toujours en surpopulation, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, c'est essentiellement quoi qui est... Ok, donc j'ai su... Donc en fait, c'est juste la sécurité moyenne où il me manque des lits.
Oui, Galtier. Enclos. Bah quoi? Là. Y a un trou guette-part? Ou alors, attendez, je sais pourquoi. Là, je vois qu'il y a un carré qui dépasse. C'était ça. Ok. Ok. Donc là, déploiement. Je suis bon au niveau du déploiement. Ouais, c'est ça. Au niveau des admissions là, les mecs, qu'est-ce que vous foutez? Enfin les nanas, résultat, ouais, c'est vrai que je viens de voir toutes les tous les gardiens de prison sont des gardiennes de prison en fait. Ça veut dire qu'une prison pour femmes, c'est vraiment, il n'y a pas non plus apparemment de personnel de femmes. Il me semble pas que ça se passe comme ça en réalité, hein. Si, les ouvriers apparemment sont des hommes. Enfin, ouais, les ouvriers et le personnel de ménage sont mixtes. Mais apparemment, sinon, tout ce qui est gardien, ce sont des femmes. Bon. Allez, on va commencer par là. Alors, on va commencer. Oui, alors non. Il me faut deux à chaque fois, deux murets. Je peux déjà faire ma. Oh bah, c'est bon. Jusqu'où comme ça? Ouais, donc objet, il me faut une porte d'isolement. Voilà, ensuite, donc j'avais pas vu que j'avais l'outil de duplication, donc ben je vais pas me gêner, hein. Hop. Ouais, alors je crois qu'il faut que ce soit construit. Que ce soit valide. C'est bon. Donc, je recopie encore une fois pour être sûr. Et là, boum. Ok, et donc là. Ok. Donc on a nos premières cellules d'isolement. Comment elle s'est évadée celle-là? Attendez, 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 attendez. On peut la voir ou pas? Non? C'est pas vrai. Ok, j'ai encore eu une évasion. Je sais pas comment ça s'est fait, mais. Ok, donc ouais, pas terrible. Alors. Ici, c'est aussi un peu le boxon. J'avais dit que la cuisine fallait que je l'améliore, donc je le fais.
fait qu'en soi, si je voulais optimiser le truc, ouais, mais je vais pas le faire. C'est que je détruisais les tuyaux, ces tuyaux là et là. Ils font pas ce tuyau là, je sais pas. Donc on continue. Continue. Nous c'est. Alors oui, déjà il va falloir que je déclare que ce sont des cellules d'isolement. Voilà. Il me faut de prison et détecteur de métaux. Voilà, ok. Donc les vilaines filles, c'est ici. Voilà. Ça, c'est dit. Je très je pareil, je. Alors, attendez, 1, 2. Est-ce que je. Un problème de d'électricité? Non, il n'y a pas un problème d'électricité, c'est qu'apparemment ça arrive pas jusque là. Il va falloir que je regarde à ça. Pourquoi est-ce que. Pas compris, et apparemment il y a de, je sais pas, ils ont décablé des choses, je sais pas pourquoi. Apparemment quand je fais un clic droit ça décable des choses. C'est étrange, c'est un comportement étrange. 1 2 3, allez, ici, donc ça fait 3 et ici. Ça comme ça avec la porte d'isolement. On va partir là-dessus. Ok, donc duplication. Ça. Bing. Et bing. Bon, là j'ai un. J'en ai une qui fait la tronche de cellules. J'ai. Non. Pièce. Et isolement. Donc ça va me faire déjà 24. Oups. Ok. Hop. Voilà. Ça va me faire 24 cellules d'isolement. Alors, tout de suite ce que je vais faire. Alors, c'est juste vraiment pour séparer les trucs, mais hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va en faire 3 comme ça. Des espaces de. Voilà, d'isolement. Et on va pareil les différencier selon selon la sécurité. Alors on va juste. Qu'est-ce que. D'accord, ok, c'est parce qu'elle n'était pas posée, donc j'avais en fait le positionnement de là où elle était. Qu'est-ce que. Pourquoi tu. C'est ça que je veux. Je vais la sélectionner et la laisser toujours ouverte. Voilà.
Est-ce que comme ça, moi, dans le déploiement, hop, ça me compte vraiment comme une pièce, et après, quand j'en aurai trois, je pourrai différencier les hautes sécurités, les moyennes sécurités, les basses sécurités. Et je créerai même un quartier de très haute sécurité où en fait seront enfermés les gangs. Les nanas qui font partie de gangs parce qu'il y en a. Voilà. Donc, pareil, duplication. On va partir donc là-dessus. On va partir de plus haut. Ok. Donc là, je vais avoir. Ah, non. Alors, comme ça. Donc ça va être le premier bloc. Bing 2. Et Bing 3. Voilà. Ensuite, je vais avoir la deuxième partie qui est ici jusque. Et là. Et j'ai qu'à me décaler de et tracer un mur au bout. Pour le moment, comme ça. Hey, ils sont efficaces quand même pour bâtir, hein, les mecs. Respect. Donc, ici, non, alors, je peux rien prendre. Ici, toujours ouvert. Et ici, non, ça, toujours ouvert. Et maintenant, dans mon déploiement, hop, je vais mettre la basse sécurité, la moyenne sécurité. Et la très haute sécurité. Non, la haute sécurité. Voilà. Et pourquoi j'ai un bloc ici? Je sais pas. Qu'est-ce qui coince? Oui, c'est parce que c'est pas considéré comme. Parce que j'ai pas dû la cocher comme isolement. C'est ça. C'est ça. Oula, j'ai une inconsciente là à l'écran. Là, je suis sûr que. Bon, bah, elle est décédée. Déploiement. Pourquoi est-ce que c'est pas considéré comme faisant partie de la même. Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi. Il l'avait pas considéré comme de la même. Ok. Bah, c'est pas mal tout ça. Et le pire, c'est qu'on s'approche des 2 heures. On s'approche des 2 heures de jeu là. Bon, je pense qu'il va me falloir plus que. Bon, c'est quoi le problème? J'ai tout ce qu'il faut pour la basse sécurité, la haute sécurité. Ces prisonniers ne peuvent se voir attribuer de cellules. J'ai pas assez de cellules de moyenne sécurité. Oui. Enfin de cellules, de lits pour la moyenne sécurité. Au premier coup d'œil, tous les lits sont pas utilisés, mais bon. Bon, voilà, j'ai encore utilisé tous mes fonds pour des lits, alors. Mince. Pas ce que je voulais. Ou alors, ça prend vraiment en compte la taille de la cellule? Vraiment la taille en fait, peu importe les lits, c'est la taille qui compte? Non, c'est une blague.
Ça a l'air d'être ça. Purée, va déjà falloir que j'agrandisse la cellule. Ok, bon. Bah, je vais le faire, hein. Faut que j'agrandisse la cellule de moyenne sécurité. Donc, bah, c'est parti. Sauf que j'ai pas les fonds nécessaires. Donc, il va falloir attendre que je reçoive mes nouveaux prisonniers pour pouvoir créer cette cellule. Enfin, pour pouvoir en augmenter la capacité. Donc, ça dépend pas du nombre de lits, ça dépend de la taille réelle de la cellule. C'est un peu idiot. C'est un peu idiot parce qu'on peut tasser là. Hein. On peut entasser des nanas là. Bon. Allez, 20 secondes. Et j'ai 17 000 en plus. J'ai pas vu que j'avais mon investissement à court terme qui s'était arrêté. Donc, alors, on va peut-être pas y aller autant que ça. Hein. Peut-être faire ça. Comme ceci. Ah, une émeute. Tiens non, ça faisait longtemps. Ouais, bah ça... Ça a pas duré, hein. Bah ça faisait longtemps. Je veux dire, y en a jamais eu dans cette prison, mais... Mais moi, ça fait un bout de temps que j'en avais pas vu. Ok, c'est bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'exciter parce que tu crois pouvoir sortir? Bah non, 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 pas, il n'en est pas question. Il n'en est point question. Hop. Dortoir. Hop. Voilà les filles, ça fait partie de votre dortoir. Et donc là, la capacité est passée à 140. Non. Ouais, ok, c'est parce que le déploiement a sauté. Voilà. Mais là, on est à combien? Donc capacité, voilà c'est ça, capacité 142. Et on en a 141. Il va encore falloir que j'agrandisse. Aïe 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 aïe. C'est pas possible. Bon, bah c'est parti hein. C'est parti, c'est parti. Bah j'ai augmenté autant que je peux pour aujourd'hui. C'est-à-dire... Ouais, et déjà 40 mètres là, enfin... Bah jusqu'au bout quoi. Allez, au-delà de ça, va falloir que je crée encore une autre cellule. Bah ouais. Parce que là... C'est drôle quand même, enfin j'ai pas de... Enfin là c'est bon. J'ai 140 prisonnières, de moyenne sécurité et j'ai une capacité de 142. Donc normalement c'est bon. Bon, donc là évidemment ça a encore sauté. Là j'ai plus de dortoir donc évidemment, hop, ça gueule. Voilà, alors un dortoir comme ça.
déploiement. Parce qu'à chaque fois ça saute. D'accord, donc là, donc en fait, ok. Donc en fait c'est une équation entre le nombre de lits et la taille. Bon, et ben on va y arriver. On va y arriver. Donc là, je vais augmenter le nombre de lits. Pas compliqué. Voilà, voilà, il y en a 4 de plus. Voilà, voilà, bon. Les moyens de sécurité, wow, il y en a beaucoup, hein. Alors on a un autre souci, c'est les familles qui sont en attente de visite. Donc ça, bah... Donc j'avais prévu à la base, c'était de créer un couloir à partir de la salle d'admission. Et de créer la salle de visite plus en haut. Donc c'est ce que j'avais fait à la base. Enfin, c'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait dans ma précédente prison hors caméra. Et ça avait pas mal marché. Alors, je suis à combien là? Ah c'est ouf. Normalement je suis censé avoir savoir ce qu'il faut quoi. Là je comprends pas. Et pourquoi j'ai pas de... j'ai pas d'eau dans les toilettes là? Ah oh, toujours ce... Pourquoi ce tuyau il bug? Ok, cherchez pas. Je... Voilà, ça a résolu mes problèmes. Ah, par contre, apparemment pas jusqu'au bout. Bon, et ben on va... Hop, donc... J'ai encore 29 moyens de sécurité qui débarquent. Enfin, y a vraiment un truc qui... Bon. On va virer celui-là. Attendez, ouais, on virera celui-là. Attendant, hop. Donc, démonter objet. On va démonter celui-là. Donc ouais, donc y a un ratio entre la taille et le nombre de lits. Donc là, j'ai 159 moyens de sécurité et 164 de capacité. Donc normalement, je suis censé être bon. Alors pourquoi j'ai 21 prisonniers qui ne peuvent pas avoir de cellules? Question, j'ai combien l'isolement? Ça correspond pas. Au cas où il y avait un problème avec l'isolement, mais non, normalement il n'y a pas de souci. Bon, alors par contre ce qu'on va faire également c'est on va attribuer hop, un gardien à chaque...
Voilà, comme ça, quand les médecins arrivent, ils peuvent... Bon, voilà. Donc c'est une prison de merde, hein, clairement. Mais c'est le but, c'est que ce soit une des pires prisons qui soit, où les prisonniers sont entassés, les prisonnières sont entassées et ont accès à très peu de choses, quoi, pour le moment. Bon, est-ce qu'on s'attaque à autre chose quand même? À quoi on peut s'attaquer? Alors, déjà, sanctions fixes. Ok. Des petites cellules. Ok. Des heures pour tous. Non, ça j'ai pas accès. Ok, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de... J'ai plus d'avocat. Enfin, j'ai pas d'avocat. Pourquoi j'ai pas d'avocat? Bon. Il me semblait avoir un avocat. Je sais pas où il est passé. S'il a posé ses 15 jours, j'en sais rien. Non, non, j'en avais pas. Il me semblait que j'en avais un, mais non. Non, pas assez de pognon. Et les ambulances. Alors, il y a autre chose qu'on peut faire. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Alors, dans un premier temps, ça coûte, mais à terme, ça rapporte. C'est une foresterie. Et ça, je peux en faire une aussi grande que je veux, mais le problème, c'est qu'il faut l'alimenter en arbres. Hop, et puis on va...